Whoa. C'est calme. Wow. Tu veux faire un tour? Ouais, je veux un tour. Avec... Attends. Tu peux pas faire un tour. Un double, faut que ça soit un double. Un back and forth. Un boomerang, qu'on dit. J'ai toujours eu une assez bonne idée de ce que je recherchais comme partenaire de vie. J'ai toujours voulu quelqu'un qui se prend pas trop au sérieux, qui embarque dans mes niaiseries, quelqu'un avec qui je peux tout faire, tout partager, quelqu'un de vrai. Si t'as l'impression que je parle de toi, je pense que c'est le cas. Depuis la journée où je t'ai revu au Vendry avec mon t-shirt mouillé, jusqu'au moment où on a commencé à être plus que des colocs, j'ai toujours eu un petit peu peur. J'ai toujours eu un peu peur parce que je savais que t'étais tout ce que je recherchais, parce que je savais que des filles comme toi, il y en a pas deux. J'ai toujours eu un peu peur parce que je savais que je pouvais pas manquer ma chance une deuxième fois. Depuis le premier jour où tu as déménagé au condo, ta présence dans ma vie a été tellement naturelle. On s'est mis à tout faire ensemble comme si tu avais toujours été à mes côtés, comme si on se connaissait depuis toujours. Ce n'est pas pour rien qu'on a échangé nos rêves de se marier dans une grange avant même de sortir ensemble. C'est des moments que j'oublierai jamais. La journée où j'ai déménagé, où naturellement on a passé la soirée à jaser, puis appris plein de belles choses l'un sur l'autre. La première fois que je t'ai fait à souper, parce que j'étais vraiment tanné de te voir manger des carottes puis des Rescue Spies. La fois qu'on a fait la date patin Vieux-Québec, j'en passe beaucoup. J'oublierai jamais ces moments-là, parce que je savais que je changerais ma vie pour toujours. Ma vie, j'ai toujours voulu trouver ma personne, mon partenaire pour la vie, avec qui vivre des aventures, voyager, fonder une famille, partager nos succès et se supporter dans les moments plus difficiles. Je me sens privilégiée que tu sois cette personne, l'amour de ma vie. Il y a tellement de raisons, oui, vraiment plus que ta barbe. Pourquoi tu es ma personne et pourquoi je t'aime? Tout d'abord, tu es la personne la plus positive que je connaisse. Je t'ai jamais entendu me parler d'un problème, parce que pour toi, il y a juste des solutions. Tu me rends meilleure en me montrant à ne pas m'apitoyer sur mon sort ou à ne pas paniquer et à trouver une manière de résoudre les problèmes, même si je ne veux pas l'entendre. Il y a tellement de raisons pourquoi tu es autant spécial pour moi, pourquoi je t'aime autant. Les 7 dernières années à tes côtés m'ont tellement fait grandir. J'aime la personne que je suis avec toi, l'influence que tu as sur moi. J'en veux plus. J'adore le fait que t'es la personne la plus intelligente que je connaisse. Tu t'en as un petit côté niaiseux. J'aime tellement le fait qu'on puisse tout faire ensemble, d'aller voir l'orchestre jusqu'à un saut en parachute. T'es game de tout faire, capable de tout apprécier et rend tout plus agréable.
Allô, t'es bien belle. Comme toi. T'es chez mon père, comme toi. Merci. Premièrement, je te promets de toujours t'aimer, peu importe. Deuxièmement, je te promets de toujours chercher à m'améliorer, à grandir avec toi en tant que personne, dans tous les aspects de la vie, mais surtout en tant que ta femme. Et finalement, le plus important, je crois pas que l'amour, c'est simplement un hasard. Je crois que c'est aussi un choix d'être là l'un pour l'autre, de tout partager, les belles choses comme les moins belles, et surtout de pas abandonner quand les choses sont plus difficiles. Donc, je veux te promettre de te choisir à tous les jours de ma vie. Je t'aime.